Bonjour, donc je m'appelle Maxime, je suis enseignant, petite section. Cette vidéo, elle est avant tout destinée à mes élèves et à leurs parents, et aussi à tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Donc j'espère que tout va bien, que tout se passe bien pour vous. Le but de cette vidéo, ben, c'est de vous donner quelques conseils pour organiser la journée, pour pouvoir travailler un petit peu avec votre enfant pendant ce confinement. Alors pour commencer, on va parler un petit peu de l'organisation de la journée. À l'école, votre enfant suit un emploi du temps qui est clair et défini. Il change peu ou pas. Il connaît ainsi les différentes activités qui auront lieu aux différents moments de la journée. Ça rassure et ça lui permet aussi de se repérer dans le temps. À la maison, il faut essayer de faire la même chose. On pourrait ainsi imaginer que le matin, votre enfant se lève, il se lave, il prend son petit déjeuner comme d'habitude, et qu'à 9h, on décide de commencer une journée de classe à la maison. On peut appeler ça comme ça. On commencerait avec un petit rituel comme la date ou la météo. Ensuite, on présenterait la journée, ce qu'on va faire, les différentes activités qui seront proposées, et on pourra après enchaîner directement sur une activité. Après l'activité, on laisse un petit moment à l'enfant pour souffler, puis aussi à vous pour souffler, parce que vous avez peut-être d'autres choses à faire. Voilà. Une fois que ce temps de pause est passé, on peut passer à la motricité. Après la motricité, on laisse un nouveau petit temps pour souffler, et on peut finir la matinée avec une activité calme et posée, lire une histoire, écouter de la musique, chanter une comptine. Après, c'est l'heure du repas et de la sieste, et là on est tranquille pendant un petit moment. Au retour de la sieste, il faut laisser à l'enfant le temps d'émerger un petit peu, et on peut travailler le langage. Après ce travail, on laisse encore un petit temps pour souffler, on peut passer à une nouvelle activité, et pour terminer la journée, école à la maison, bon, on peut à nouveau lire une histoire, chanter des chansons ou des comptines et passer au goûter. Bon, maintenant qu'on a vu comment on peut s'organiser une journée, on va s'intéresser aux activités qu'on va pouvoir proposer. Quelles activités faire? On va les séparer en quatre catégories. Tout d'abord, les ateliers. Ce sont des activités qu'il y a à faire accompagnées ou non de vous, où il sera posé, avec un objectif clair et défini. Ensuite, la motricité. On verra tout à l'heure qu'on peut en faire à la maison aussi. Il y a encore les activités de langage. Et enfin, les rituels. Donc pour commencer, les ateliers. Vous allez vous proposer à votre enfant de se poser pour faire une activité. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de lui présenter trois ateliers et de lui demander celui qu'il préfère. Par exemple, il y a un coloriage, du graphisme, de la pâte à modeler. Quel est l'atelier que tu veux faire aujourd'hui? Quel atelier faire? Là, c'est plus compliqué parce que ça dépend du matériel dont vous disposez à la maison. Déjà, vous pouvez imprimer des coloriages ou des fiches si vous avez une imprimante. Je vais vous en présenter quelques-unes. Là, on va travailler sur le thème du printemps. Donc, il y a un coloriage. Donc, quand on propose un coloriage à son enfant, il faut faire attention à ce qu'il tienne correctement le crayon ou le feutre. Donc, pour tenir un crayon ou un feutre, je le prends entre le pouce et l'index, je le pose sur la deuxième phalange du majeur, et voilà. Ensuite, là, il y a un atelier de graphisme, donc deux petites fleurs à décorer. Pour les décorer, il faut soit faire des ronds, soit faire des points. Pour faire un rond, je commence en haut et je tourne toujours vers la gauche. Ici, le papillon. Voilà. Un papillon à décorer. La consigne est écrite ici. Découpe puis colle des morceaux de papier dans le papillon. Alors, quel morceau de papier prendre? Un peu ce que vous avez sous la main. Les prospectus font très bien l'affaire. On prend une patte de ciseaux, de préférence des petits ciseaux à bourron. On découpe, on fait des petits bouts de papier et on les colle dans le papillon pour le décorer en faisant une sorte de mosaïque. Après, si vous n'avez pas de ciseaux, on peut aussi déchirer les papiers et les coller sur le papillon. Après, quelles sont les fiches que nous avons? Il y a le bonhomme du mois de mars à faire ici. Une fois que le bonhomme est fait, on peut décorer le cadre tout autour. Donc, c'est le moment pour travailler le schéma corporel. Donc, on peut aider son enfant d'apprendre
D'abord, tu dessines la tête. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a sur la tête? Des cheveux. Sur le visage, deux yeux, un nez, une bouche, des oreilles. Tu penses aussi à faire le cou. Après, qu'est-ce qu'on va mettre sous le cou? Il y a le corps. Qu'est-ce qu'il y a sur le corps? Il y a les deux bras avec les mains au bout, les deux jambes, les deux pieds. Voilà, on va l'aider un petit peu à faire son bonhomme sur cette fiche. Et enfin, ici, consigne de cet exercice, tu dessines ce que tu veux, mais attention, à la fin, tu me raconteras ton dessin. Et il y a ici, tout en bas, un espace pour écrire la description de votre enfant. On va quelques fiches qu'on peut faire. On peut aussi proposer des activités de manipulation autonome. Donc là, on peut proposer une construction sur un modèle, si vous avez des Lego ou des blocs en bois à la maison pour faire des constructions. Si vous avez des perles, hein, c'est une activité qui est parfaite pour cet âge-là. Les puzzles aussi. Voilà, là, ça dépend vraiment de ce que vous avez. Et enfin, il y a des activités qui vont être faites avec vous. La cuisine, parfait comme activité. On va faire un gâteau. On peut aussi faire de la pâte à sel. Les jeux de société. C'est un excellent support de langage ou de numération. Donc, à la maison, vous avez un jeu de 54 cartes. On enlève toutes les têtes. On garde juste les cartes qui vont de 1 à 10. Et on peut faire une bataille. On demande à l'enfant sur quelle carte est-ce qu'il y a le plus d'objets, donc le plus de cœur, le plus de carreaux, le plus de trèfle ou le plus de pique, celui qui en a le plus à gagner, on compte ensemble. Comme ça permet de bien travailler la numération et de partager un moment de jeu. Les dés aussi. Prendre un jeu de piste, comme le jeu de loi, et on avance, donc on compte jusqu'à 6, c'est très bien ça. Voilà. Donc ça, ce sont les ateliers qu'on peut faire. Maintenant, on va parler un petit peu de la motricité. Motricité, c'est plus compliqué pour ceux qui n'ont pas de jardin. Ceux qui ont un jardin, c'est très bien, comme ça on peut faire de la motricité dehors. À la maison, bon, déjà, il y a une activité qui ne prend pas beaucoup de place, c'est le yoga. Donc, ça, vous tapez yoga des enfants sur un moteur de recherche, vous allez trouver plein de ressources. En plus, c'est une activité de relaxation. Donc, ça permet à l'enfant de prendre conscience de son corps, de maîtriser sa respiration. C'est une activité où il faut bien prendre le temps et qui va permettre à tout le monde, même aux enfants comme aux parents, de se poser, de souffler un petit peu. Après, on peut aussi faire des activités de type lancer. Donc à la maison, tout simplement, on ouvre un tiroir, on prend une paire de chaussettes, on en fait une boule, et on peut imaginer lancer dans une boîte, lancer sur des objets qu'on va avoir mis, type chamboule tout. On peut aussi jouer à un jeu, une sorte de jeu qu'on appelle le déménageur. On disperse un petit peu les chaussettes partout, et il faut le plus rapidement possible récupérer toutes les chaussettes et les mettre dans une boîte. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut faire aussi des jeux de déplacement. Donc, on peut demander à l'enfant de se déplacer en suivant un animal. Donc, tu vas marcher comme un kangourou. Hop, on tape dans les mains, il commence. Et quand on tape dans les mains, il s'arrête. Tu vas marcher comme un serpent. Tu vas te déplacer comme un oiseau, comme un chien. On peut aussi prendre des personnages. Tu vas marcher comme un géant. Ou comme un très, très vieux papy qui a très mal au dos et qui doit se déplacer avec la canne. Tu peux marcher comme un bébé. Donc voilà. On peut aussi demander de marcher normalement. Et dès qu'on tape dans les mains, on fait une statue. Donc on peut prendre une pause, hop, comme ça. Très bonne activité aussi. On peut aussi faire des jeux comme 1, 2, 3 soleil. Et puis après, si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez faire un petit parcours dans le salon. Hop, il faut passer sur le fauteuil, ensuite marcher, aller sous la table, monter sur la chaise, sauter de la chaise. Voilà. Là. Il n'y a que votre imagination qui pose les limites. Bon, à la fin de ce type d'activité, un petit retour au calme. Donc, le mieux, c'est de mettre une musique posée, tranquille, et demander à l'enfant de s'allonger, de souffler un petit peu, les yeux fermés. On fait ça pendant 3-4 minutes, ça suffit, juste pour souffler et revenir tranquillement au calme. Alors, les activités de type langage. Ça, c'est très important de parler avec votre enfant. Ça a développé son langage. Ce problème, c'est que les sujets de conversation avec un enfant de 4-5 ans, parfois, ils sont un peu limités. Donc, on va utiliser des supports. Donc, un très bon support, bah, c'est un livre avec des illustrations. On peut demander à l'enfant, qu'est-ce que tu vois? Décris-moi l'image. Qu'est-ce qui se passe? D'après toi, qu'est-ce qui va se passer après? Donc là, on va lui demander d'anticiper. On peut demander aussi s'il aime ou non. Pourquoi? Qu'est-ce que tu éprouves en regardant ça? On va les différentes questions. On peut poser les mêmes questions aussi
à partir toujours d'un support visuel, mais là on peut prendre aussi des images. Donc les images, un tableau qu'on va trouver, une photo qu'on peut trouver aussi on trouve sur Internet une photo, un paysage, qu'est-ce que tu vois, à quoi ça te fait penser. Voilà. Le plus important, c'est de le faire parler et de parler avec lui aussi. Maintenant, on va parler des rituels. Donc, les rituels, à l'école, il y en a beaucoup. Il y a le rituel des absents, des présents. Forcément, ça, on ne peut pas le faire à la maison. Par contre, il y a un rituel qu'on peut faire très facilement, c'est le calendrier. Donc, voici, calendrier du mois de mars. Voilà. Donc, on peut commencer par chercher quel jour nous sommes. Donc, on le fait répéter. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et le dimanche, on recommence. Lundi, mardi, et on fait répéter ça à l'enfant deux ou trois fois. Et à la fin, on s'arrête sur le jour d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi. Mais lundi, combien? Ça, c'est la question qu'on se pose. Donc, on va compter sur le calendrier. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aujourd'hui, nous sommes lundi 16 mars. Alors, pour s'en souvenir, on peut mettre une gommette. Ce n'est pas de gommette, un rond feutre ou une croix. Et ensuite, hop, sur le frigo. Avec un aimant, c'est très bien. On peut aussi écrire ce qui se passe dans le mois, s'il y a un anniversaire. Là, il y a juste le printemps, vendredi prochain. On peut aussi colorier en haut le dessin du mois de mars. Autre rituel qu'on peut faire, c'est la météo. Donc toujours en utilisant le frigo, parce que c'est un très bon support, vu qu'on peut utiliser des manettes pour accrocher des choses dessus. Donc voilà la fiche avec les différentes météos possibles. Donc on découpe, hop. Et puis on dit quel temps fait-il aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on n'a pas de chance, il pleut. Donc on mettrait ce dessin-là sur le frigo. Voilà. Et là, c'est le moment où j'ai perdu mes feuilles. La boîte au trésor, voilà. La boîte au trésor, un excellent rituel qu'on peut faire facilement à la maison. Vous prenez une boîte à chaussures. Et vous demandez à votre enfant de mettre un objet, celui qu'il veut. Donc on va prendre des objets assez simples, hein, il ne faut pas qu'il ramène une casserole non plus. Et on le met dans la boîte. On voit puis quels sont les objets qu'il y a dans la boîte à trésor. Donc le premier jour, forcément, il n'y en aura qu'un seul. Deuxième jour, on reprend la boîte au trésor, elle est fermée, et on lui demande quel objet il y a dans la boîte à trésor. S'il trouve tous les objets qui sont dedans, il a gagné, il peut aller chercher un nouvel objet qu'on va mettre dans la boîte au trésor. Et votre enfant va devoir se souvenir de tous les objets qui sont dans la boîte à trésor. Est-ce qu'il y avait autre chose? C'est déjà pas mal. Donc voilà les différents rituels qu'on peut faire. Maintenant, on va parler un petit peu de l'écoute musicale. Qu'est-ce qu'on peut écouter avec votre enfant? Donc ça, c'est un moment de découverte. Donc on peut lui faire découvrir de nouveaux sons, que ce soit de la musique classique. Par exemple, Pierre et le loup. Très bien, très, très adapté aux enfants de cet âge. On peut leur faire écouter du jazz avec Tech Five. La musique du monde, par exemple avec Zoom Zoom Zoom, une musique brésilienne. C'est aussi un moment où vous pouvez partager vos goûts musicaux avec votre enfant. Voilà, là j'essaie de vous donner plein de pistes d'activités à faire avec votre enfant. J'espère que ça vous aidera. Bon, bien sûr. Vous ferez ce que vous voulez dans tout ça. Je suis tout à fait conscient que vous avez peut-être d'autres choses à faire, d'autres soucis en ce moment. Là, c'est juste pour vous aider, vous donner quelques pistes. Maintenant, je vais aussi vous donner quelques conseils qui sont un peu moins scolaires. Bon, déjà, c'est un bon moment pour travailler l'autonomie. Parce que votre enfant, il sait faire beaucoup de choses par lui-même, beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Donc, on peut commencer aussi à lui demander de s'habiller tout seul, voire même de choisir ses vêtements et de les mettre. C'est aussi un bon moment pour lui apprendre à se laver tout seul. Vous êtes à côté, mais voilà, on lui apprend à se laver, à se brosser les dents. Il peut aussi vous aider dans les tâches du quotidien. Mettre la table, débarrasser, ranger un petit peu, arroser les plantes. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut faire. Bon, dans la mesure du possible, il faut aussi essayer de le faire bouger. Donc, si vous avez un jardin,
Très bien. Mais ce que je disais tout à l'heure, ceux qui n'ont pas de jardin, c'est plus compliqué. Donc, dans un appartement, on peut imaginer faire une chasse au trésor, une partie de cache-cache, des choses qui vont le faire bouger un petit peu et qui vont rythmer un petit peu le quotidien. Ce qui est important, c'est éviter de les angoisser. Les enfants, surtout quand ils sont jeunes, sont des vraies éponges. Donc, ils ressentent tout ce que vous ressentez. Si vous êtes stressé, ils le sauront. C'est à vous, là, de les rassurer. Évitez aussi de laisser des chaînes d'information allumées, parce que les informations sont très anxiogènes et peuvent leur faire peur. Elles peuvent aussi être violentes pour les jeunes enfants. Ce qui est important aussi, c'est de garder le contact. C'est compliqué, mais aujourd'hui, avec les moyens technologiques que nous avons, on peut appeler mamie, papy, les tantes, les oncles, les cousins, les cousines, les amis, faire une petite visio avec eux, donc hop, avec les webcams, avec les téléphones portables, on se voit, on se parle, on échange un petit peu. C'est important aussi pour eux de garder contact avec le monde extérieur, même si ça se fait juste à travers un écran. Et enfin, profitez aussi de ce moment pour créer du lien avec votre enfant. Vous allez être ensemble, donc partagez vos goûts, vos passions avec lui, apprenez à le connaître, et lui aussi apprendra à vous connaître. Donc moi, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. Bon, j'essaierai d'en faire de nouvelles avec des nouvelles activités. Sous la vidéo, je vais mettre des liens vers ce que je vous ai présenté. S'il y a des questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc voilà. Bon, bon courage à tous. Au revoir.